suite de la série des vidéos sur la fraction, donc on va corriger un exercice ensemble. L'exercice est sur le site macmillan.fr. Nous allons écrire sous une forme d'une fraction irréductible ces fractions, mais d'abord, une fraction c'est le quotient des deux entiers, donc il faut arriver à mettre ces fractions sous forme de deux entiers, car on voit que dans ces fractions il y a des nombres décimaux. On va essayer de les mettre en nombre entier. On va multiplier par 10. Le numérateur et le dénominateur. 1,5, ça va nous donner 15. 3,2, ça va nous donner 32. Est-ce que 15, 32e est la fraction irréductible 15 et 32 n'ont pas de diviseur commun? Donc on observe la situation et on se rend compte que oui, c'est irréductible. Maintenant, on passe à la suivante. En l'observant, on se rend compte qu'il y a deux chiffres derrière la virgule. Donc on va multiplier par 100, on va multiplier le numérateur et le dénominateur, ce qui va nous donner 35 550e. Maintenant, on va essayer de la rendre irréductible. Donc on va essayer de chercher un diviseur commun. Et en cherchant bien, on va trouver qu'il est multiple de 5 dans les deux cas. Et du coup, ça va nous donner 7 110e parce qu'on va diviser par 5 en haut. Et on va aussi diviser par 5 en bas. 7 110e est donc la fraction irréductible de 0,35 sur 5,5. Maintenant, on va passer à notre dernière fraction, qui est 36 sur 0,24. On va multiplier par 100 parce qu'on constate qu'il y a deux chiffres après la virgule, ce qui va nous donner donc 3624e. Maintenant, on va essayer de la rendre irréductible. On peut constater qu'il est multiple de 12 dans les deux cas. Du coup, 3600 est égal à 12 fois 300 et 24 est égal à 12 fois 2. On peut enlever les 12 parce que 12 est au numérateur dénominateur. Donc ça nous fait 300 demi. Mais on peut encore le simplifier plus que ça. Donc on va regarder et si on fait diviser ça par 2 et ça nous donne 151e et 151e c'est égal à 150. Donc là c'est un cas particulier car c'est un nombre entier qu'on atteint à la fin. Mais du coup, ben voilà, c'est bien une fraction irréductible. Nous avons résolu notre exercice. Sur ce, je vous dis au revoir et j'espère que vous aurez compris.